Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, excepté 8 personnes, Noé le juste et sa famille. Cette histoire a des millénaires, écoutez l'agent de la terre, car depuis le temps de Noé, au fond les choses n'ont pas changé. Que fais-tu Noé? Oh yeah, Noé, que fais-tu Noé? Jour travaillait ce que Dieu l'avait ordonné, et tous ses amis se moquaient, et tous ses amis lui disaient: que fais-tu Noé? Oye, Noé, que fais-tu Noé? Oye, Noé. Je bâtis mon futur refuge, car bientôt viendra le déluge. Venez m'aider à travailler au lieu de rire et de bailler, vous qui passez tout votre temps à boire et chanter en disant: que fais-tu Noé? Noé, tes pensées sont profondes. Si c'est demain la fin du monde, viens plutôt mon pauvre Noé, boire et te changer les idées, avant que ton histoire, mon vieux, tu ne la prennes trop au sérieux. Que fais-tu Noé? Oye, Noé, que fais-tu Noé? Oye, Noé. Quand Noé finit son ouvrage, les oiseaux, les bêtes sauvages entrent et repartent, couple dans l'arche, la famille ferme la marche. Que fais-tu Noé? Les voisins disent: quel dommage, Noé le pur, Noé le sage est devenu complètement fou. Décidément, on voit de tout. Que fais-tu Noé? Oye, Noé, que fais-tu Noé? Oye, Noé. Je finis mon futur refuge, car c'est pour demain le déluge. Mais vous pouvez être sauvés. Repentez-vous de vos péchés, repentez-vous, il en est temps, avant que vienne le jugement. Que fais-tu Noé? Oye, Noé, que fais-tu Noé? Oye, Noé, Noé. Tes pensées sont profondes, si c'est demain la fin du monde, viens plutôt pauvre Noé, boire et te changer les idées. À Soya, nous gagnons Frère Almono qui est à Chicago, nous gagnons Sœur Chantal qui est à Edmonton, Frère Docteur Michel qui qui est à Lacombe, et moi-même, Frère Pierre-Claude Robergeau, qui est aussi à Lacombe, en Alberta. À Soya, émission nous pour aller gagner deux volets. Nous allons parler de l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre pendant ce moment. C'est Nouvelle Sayo qui montrait qu'il y a un pile frais nous qui est en esclavage en Libye. Et c'est pour un bagage qui a fait Jodia, qui a commencé depuis quelques temps, mais c'est dans la semaine, ça a là, commencé à faire un gros tollé sur Internet, là surtout, le sur CNN. Nous gagnons actualité qui passait dans Zimbabwe avec la chute ou la démission du président Mugabe. Et nous gagnons en Haïti quelques nouvelles tours et le rétablissement de l'armée d'Haïti et qui est fait dans la semaine, ça a tout. Qui se passent. Et ceux-là qui vont en Égypte, je les ferai devenir un sujet d'opprobre, de malheur, d'exécration et d'humiliation à tous les royaumes de la terre. Donc l'esclavage, c'est exactement c'est ça qui était en question là. En question l'esclavage, quand il y a un groupe de monde qui peut aller, qui a quitté le pays. Et nous avons dit que c'est le même pays, le même tribu, ça a été pris à laver en Haïti. Donc, Jérémie 24 dit non, le monde, ça a bon Dieu, pour le punir à travers les âges comme un sujet d'exécration, comme sujet d'humiliation, un sujet de paria à tous les royaumes de la terre. Donc, le monde, ça a jusqu'à présent, c'est le cas. Et ces brebis perdus, en plus, c'est brebis perdus de la maison d'Israël,
qui arrivait toujours dans l'esclavage. L'autre bagaille, l'autre aspect de problème là aussi bien, c'est que l'esclavage dans la Bible là, c'est dans la fin de temps, bon Dieu, pour le finir avec l'esclavage. L'esclavage passait plusieurs formes. Parce que, qu'on y a, nous pas gain indépendance économique. Ni les pays africains aussi bien. C'est une raison qui a lutté contre Mungabe. M'gon lettre que Mungabe écrit là, par contre, si nous recevons la lettre ça, qui a cap circulé dans Facebook là, Mungabe dit comme ça que l'el pas là, c'est là ça n'a pas le connaît l'importance là. Mais pour le moment qu'on y a, il me songeait qu'un plus dictateur dit même bagaille pour eux, tel que Saddam Hussein, tel que beaucoup d'autres dictateurs depuis crasé ou brisé, tel que Kadhafi qu'on y a. Kadhafi était mis de sécurité dans tout pays, hein, depuis crasé, depuis vint ton nom pays tête en bas. Les dire comme ça que même lettre ça Mungabe m'a appelé lettre là qu'on y a que je te voyais ben moi les vont lettre by toute fanatique yo zimbabwéen yo au bas de Zimbabwe c'est majorité moun yo qui est là c'est Shona people. Shona c'est exactement le mot Sion en hébreu. Shona c'est Sion et côté dans Zimbabwe yo te bâti un temple. Un grand temple là, et par contre, ça fait le temple là vient craser après. Encore son autre histoire encore pour monter en Afrique là, et signe qui montrait que c'est Israël qui était là. Il est arrivé l'autre bord, il était contre ce Sion, il était arrivé tête. Et jusqu'à présent, il y aurait le People of Shona. Donc, majorité, moun qui est 95%, moun qui est en Zimbabwe, c'est Shona People. Donc, moun ça a été le de Bantu People qui habitait au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et même j'attaque Angola, même j'attaque. Et tant qu'Angola, Congo, les deux Congo, et même j'étais en Afrique du Sud, et Zambie, Namibie, et tout peuple ça était connu comme peuple qui habitait au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais allez même jusqu'au Kenya même. Kenya et Burundi, en partie Rwanda, les Hutus de Rwanda, tout le monde ça a été considéré comme des Bantous qui habitaient dans le bassin du Congo. Mais ça, président Mugabe dit, nous tous les deux ensemble. You will appreciate me more when I'm gone. My fellow Zimbabwean, I'm writing this letter to you. My days on this earth are numbered. Qui veut dire qu'il ne connaît pas pour le vivre longtemps. But I know that once I'm gone, you and your children will never forget about me. I want you to understand that the reason I stayed so long in power for 36 years is because I want to empower all of you, my fellow Zimbabwean, black Zimbabwean. No other president in the entire continent of Africa has done what I've done for you. But you continue to take me for granted. Do you know that in the whole continent of Africa, Zimbabweans are the only blacks who own their land? We are the only blacks who own and run means of production. We own our own companies and we own our land. That is the true meaning of independence. Political and economic independence. I have fought tooth and nail in my entire political life to ensure that all of you, both political and economic independence. I don't have white people, not at all. I don't hate white people, not at all. What I hate is that their thinking is that they are better than us, that they can come and take our country, take our resources, take our land, and tell us what to do. To that, I say no. Today, I'm happy that almost all of the land is in the black hands. It is up to you to use the education I give you and develop your land, and so it is productive. So you can feed yourself. One thing that I'm proud of is that I work hard to ensure our natural resources in our land was giving back to its rightful owners, you, the black people of Zimbabwe. Go to other countries in Africa. Right here, just across in Limpopo in South Africa, Mandela sold and gave all the land and economy to the whites. The blacks in South Africa will be slaves to white South Africa forever. As long as land is not in their hand, it is rightful owner. The African black men will continue to suffer into their own land. The real wealth is now in your hands. Wrestle it away from and so they can steal it for you. Yes, the world was angry at me and punished the whole country with sanctions, but I don't care because I was doing the right thing. Donc là, m'daime un monde qui pa gen lettre ça, m'daime pou m'voye l pou nou in Facebook et m'trouve c'est exactement ces points capital ça que n'a fait depuis longtemps. C'est même système nou fan Haïti. Tout année ou Haïti pa gen
pas de gain militaire, c'est étranger qui crase le système Haïti, hein, parce que Haïti, malgré que nous pas de gain l'argent, mais Haïti te connaît nos gain potentiel. Là, nous te fiers de nous. Te gain loi en Haïti qui protège Haïti, pour pas vendre étranger. T'es en Haïti. Même, yon Haïtien qui vient naturaliser, non, l'autre pays ou pas carré tout en Haïti, pas de carré tout en Haïti pour l'acheter terre. Quand y a, après, Duvalier fin tombé, étranger arrivé, yon changé tout bagaille. Yon changé constitution, yon changé moun yon vle, yon mette moun yon vle, et puis quand y a là, yon fait m'kone Bill Gates gain terre en Haïti, yon fait m'kone même Oprah gain terre en Haïti, et moun, Prince Angleterre gain terre en Haïti, en pile moun Clinton yon acheté terre en Haïti. Bouchou achete terre en Haïti. Un pile grand nèg Hollywood achete terre en Haïti. Y a pas acheté côté qui gagne gaz yo, y a pas acheté côté gagne ressources yo parce que yo connaît territoire, côté richesse ça et puis nous-mêmes nous rete égaré. À chaque fois nous y a courir de un président. Puis ga nous courir par en pile parce que le réseau qui fait mettre tout bas ça de président, c'est yo veut passer président ça le plus souvent son nationaliste que lié. Y a courir d'elle puis mettre l'autre qui va en faveur puis vient prendre pays nous et le plus souvent depuis blanc ça rentre dans pays nous c'est dégâts désastre génocide et des dizaines de décades y a tué monde 24 sur 24 c'est ça on fait au Congo c'est ça on fait dans plusieurs pays au Mali c'est ça on fait dans on mettait des leaders dans l'autre pays francophone tel que Gabon tel que Mkadi qui bon encore et Sénégal et plusieurs pays francophones en Afrique yo. En Haïti c'est la même chose donc ça mon Gabé a parlé là c'est exactement ces bagages ça yo qui n'a pas depuis son côté ouais gain ressources naturelles européen et occident yo yo font pile maniguette puis mettre sanctions puis oppresser puis barrer puis mettre guerre civile puis faire coup d'état puis jeter leader qui là yo puis capable make sure gon leader qui ba ressources là et puis peuple a vienne esclave yo esclave politique esclave économique et même dit esclave spirituel donc c'est bagaille ça que nous devons connaître parce que tous les trois affectés parce que regardez en pile nigérien fait partie d'esclavage qui au Libye et esclave qui au Libye en pile nigérien et regardez Nigeria c'est un pays plus riche en Afrique et regardez bien exploitation de gaz là c'est British qui enjoy les c'est compagnie américaine qui enjoy les et même gens pour Congo Brazza en pile gaz aussi bien et qui exploite gaz ça aussi c'est la France qui enjoy tout gaz là et puis son pays qui paraît pauvre même gens pour le Congo et Congo Kinshasa son pays qui tellement super riche qui t'a supposé et a enrichi toute l'Afrique avec électricité Congo Brazzaville gagne assez ressources pour bailler électricité dans toute l'Afrique là et il y a 80% coltan cap bailler ressources pour faire bagaille électronique téléphone tablette computer un peu bagaille appareil toute bagaille ça nous joigne au Congo il y a diamant il y a gaz naturel il y a gaz tout bagaille ça yo étrangers fait pratiquement pas un pays puis prendre ressources et puis à exploiter puis à mettre dans grand pays donc c'est bagaille ça que nous devons connaître et c'est ça qui crée pauvreté à l'extrême dans pays ça yo et pays ça tout peuple yo a cherché meilleure vie et a rentré aux États-Unis ou aller en Europe et puis même pays ça a repoussé nous encore mais tu dis pays aller dans pays nous aller ranger pays nous et puis c'est eux même encore qui des destruction de tout pays ça donc c'est ça qui là l'esclavage allait finir Yahweh te dit nous puis gagne nous dans mi-temps dans Deutéronome 28 gon malédiction qui dit malédiction de Deutéronome dit nous pas dans mi-temps et demi nous puis gagne nous te vinn dans mi-temps nous c'est les Yahweh dans mi-temps nous c'est là ça seulement nous gagne une meilleure vie mais même malgré sa grande promesse si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom s'humilie cherche ma face moi l'Éternel je guérirai parce que l'Éternel Yahweh connaît nous pas capable de vivre sans lui-même mais Yahweh connaît tout truc international ça yo ce sont des choses qui dépassent nous ce sont des complots bien organisés à haut niveau avec les grands de ce monde qui permettent que et ressources pays côté noir et pas seulement pays noir il fait ça plusieurs autres pays mais plus qu'on y a les pays noirs parce que l'autre pays a réalisé ça longtemps ils ont protégé tête en pile l'autre pays ont protégé tête
yo met tête ensemble, yo protéger tête pour exploiter les richesses telles que en Bolivie, telle que qui gagne en pile gaz naturel, yo saisi gaz là telle que Venezuela, telle que beaucoup dans pays arabes, quand il a bombardé Konya, Yémen, Syrie, tout ça gagne ressources naturelles, yo bombardé et puis occasionnellement Libye la même chose. Donc c'est bagaille ça chez amis, faut nous réaliser que ça a lié avec notre situation. Depuis son côté de richesse, nous-mêmes, nous là, on pourrait tout dégager ça, puis être capable de venir craser, briser, puis prendre, exploiter. Et puis, nous-mêmes, Israélites, nous, seul secours, nous, c'est pas la Russie, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, seul secours, nous, c'est Yahweh. Yahweh dit, aussi mon peuple détourne de ses mauvaises voies et cherche ma face, en un instant, je confronte tous ses ennemis. Si nous connaissons nous, nous mettons ensemble, nous cherchons Yahweh, Yahweh confond l'adversaire nous, et puis nous avons une richesse qui est en bas de nous, mon diable ban nous. Donc, encore, tout le monde est lié, ni ça qui passe en Haïti, le fait que nous avons passé 23 ans sans l'armée, ni ça qui passe au Zimbabwe, ni ça qui passe au Libye, tout est lié ensemble, tout c'est Israël. Tout les trois côtés, ça c'est Israël. Et Israël, et comme Sundado, nous égarés, nous par contre, qui nous est. Et nous ne pas capable de supporter rien sans Yahweh. Nous besoin Yahweh dans mitan nous. Donc me connais pas l'ampine qui t'a prendre deux bon 2-3 minutes dans bayo et m'a quitté et reste là pour se chanter avec Frère Berger et docteur Michel. Oui, moi ça regarde gens cher que y a fait un monsieur que yo vend pour 1200 pounds. Et puis, moi, te wè, ki jan, tout moun yo, tout noir yo, tap manifesté. Ou te met gon pays qui développé tel que Afrique du Sud. Afrique du Sud, son pays qui très développé, mais richesse là, pas karit nan men. C'est malédiction à qui là. Richesse là, pas karit nan men. Tu vraie richesse, nous, c'est là, nous retourner observer la loi de Yahweh. Nous retirer, bagay vaudouan, parce que vaudouan, li vraiment. Vraiment en amitié, non. Côté tout côté peuple noir, il y a une forme de spiritisme, une forme de sorcellerie. Donc, bah, ça faut nous retirer en amitié, non. Et bon Dieu, il fait provision avec le gospel. Et, sûr et certain, bon Dieu a fait nos grâces. Donc, ces derniers points, ça m'a besoin de mettre, parce que tout côté passé, c'est même bagaille là. Même problème, non. Le monde occident connaît faiblesse, non. Yo kon la kay nou tout côté. Bon mon l'autre bagay encore que gon dame qui te fait présentation ça. Li dit tout côté israélite yo tout gen richesse dan yo. Il semble que Yahweh fait exprès li mette richesse en papier nou tout côté nou ye. Et puis l'a gardé nous nan fin temps. Aussitôt que nous camper pour li, ou après richesse a vin tomber nan men. Mais depuis nous pas camper pour li, n'a toujours dans même situation. Parce que tout moun sa k'ap sorti ni au Niger, gen uranium, gen l'or et Mali, gen l'or et Nigeria, plein gaz, plein l'or et tout autre pays ça, tout pays Afrique ça, plein ressources naturelles. Mais malheureusement nous quitté yo, nous dans pauvreté et puis dans ton esclave dans l'autre pays tandis que la caille nous plein richesse. C'est vraiment ça qui est ridicule. Alors, je vais quitter la frère Auberge. Merci, frère Almono. Pour résumer l'actualité en Libye, au Zimbabwe, en Haïti, pour la question Zimbabwe, bien content de l'être que vous êtes là. Malheureusement, il y a plus de monde qui ne peut pas parler anglais. Je pense que peut-être dans la présentation, avant Dr. Michel Fay, peut-être nous devons voir son petit résumé de sa lettre l'a dit. Parce que nous pas voulu quitter mon yo à côté pour pas comprendre que sa lettre l'a dit sa président ancien président Zimbabwe monsieur Mugabe Robert Mugabe dit mais faut rappeler tout que ça vient passer à pile fois lorsque mon yo prend pouvoir lorsque gen un sociologue un quelqu'un écrivain yo les Pareto qui dit le mon là l'elle à côté pouvoir Léon Jean, mais elle vient prendre pouvoir Léon l'autre Jean. Et je pense que ça vient de passer Mugabe et tout avec, parce que il y a un entourage là tout, avec Madame Nitu, qui vient, il y a une ambition politique. Grace Mugabe, licencié, Tevle, vient remplacer Mugabe parce que monsieur, c'était avancé en âge, et Madame Nante, il y a une ambition, qui vient faire que, dans un paquet de l'autre monde qui était sous côté, Madame Nante fait monsieur, mais écarter moun sa yo
qui vient rendre gain pile jalousie et puis gain pile ça nous ta carrelé tout en pile corruption tout quand même le régime là il fait pile bon bagage mais comme ça tout gain pile bagage qui passe mal tout qui vient rendre que dériver la situation ça c'est ça que toujours rivé dictateur le au prend pouvoir il commence à faire bien et puis après il vient déjouer. Mais nous souhaitons que le pays n'a pas descendu net. Nous avons souhaité que il n'y pas fait même genre avec Haïti, il n'y pas fait même genre avec l'Irak, tant que nous voyons ce qui est passé avec Saddam Hussein, il n'y pas fait même genre avec Libye. En nous prions pour nous, que c'est peuple bon Dieu a toujours aujourd'hui qui l'autre bord. Nous souhaitons que ce n'est pas même bagarre qui arrive dans la zone ça. Bon, moment arrivé qu'on y a là pour nous capables de bailler Jean-Michel Connan pour la présentation du livre là, The Stolen Legacy. Alors, Dr. Michel, ou bien antenne? Bon, alors, merci. Je vais commencer par attirer l'attention de tout le monde qui a eu l'occasion de faire ça, qui comprend français ou bien parler français. Il y a le fonti recherche sur YouTube sous présentation et Dr. Cher Nda Diop qui a parlé de origine Afrique. Qui est-ce qui te la donne? Il y a plusieurs autres points qui présentent l'origine Afrique et il y a des évidences scientifiques que les Européens ne peuvent plus combattre. Ils n'ont pas qu'à dire rien contre eux et d'autant que l'histoire établit le très clair. Donc l'Égypte, dans le temps biblique, dans le temps la Bible, là, on a parlé de Pharaon, des Pharaons d'Égypte, dans le temps Moïse, tout c'était des Noirs et c'était des Noirs très foncés. Et les pharaons. Nous faisons présentation déjà sur ça qui, en français, sous citoyen chrétien. Et alors, sous cela, on a un affrontement entre deux systèmes que je vais présenter tout à l'heure là. Non. Un système religieux, c'est deux systèmes religieux qu'il faut dans la base. Et puis, qui continue en œuvre de démantèlement d'anciens systèmes qui sont beaucoup plus racinés. Ça, c'est le premier bagage que moi. Deuxième bagage que moi, c'est que nous pas qu'à compter sur aucun leader humain. Mon frère, il se dit tout à l'heure, il se dit que c'est ton verset. Qui dit si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie. Il n'y a pas de salut dans. Pas de salut dans aucune autre alliance avec aucun gouvernement ou aucun militaire. Force-nous y résider dans le Dieu très haut. Et tant que peuple noir, pas qu'à gon éveil qui fait en donne, puis qu'on est qui est lié pour embrasser l'identité que bon Dieu bâtit, et puis qu'il retourne. Perdre ce Dieu, son Dieu créateur, l'a toujours continué parce que le système opposé à l'est déterminé pour le détruire. Et c'est pour ça qu'on étudie en théologie, qui a enseigné théologie en réalité, qui est en phase de la finie doctorale qu'on y a, et puis qui propose moins pour nous, elle finit pour nous prendre temps pour nous écrire un livre sur la bête de l'Apocalypse 17. À retourner avec des eaux brisées, monde prend ressources contrôlées un peu partout. Bon, ça va, ma réflexion va être publiée plus tard. À quel moment, depuis le fini, nous allons commencer à travailler sur la question. Ça. So, où est-ce que ça a commencé? Depuis longtemps, Théodore et Justinien, et même avant, depuis longtemps des Grecs, commencé depuis 333 avant notre ère qui commençait puis qui a continué jusqu'on y a. Mais il n'y a pas de délivrance si nous pas retourner et embrasser l'identité nous et retourner vers ce Dieu créateur et qui mettait nous sous terre. Et nous n'avons pas besoin de chercher aucune solution, aucun leader. Et leader n'a pas de chambre rien s'il n'y a pas branché sous bon Dieu. C'est ça que j'ai dit. Oui. Robert, je me casse du magasin.
Oui, on met un dernier bagage parce que nous allons passer la présentation là pour deuxième partie à la présentation livre là. Oui. Uh-huh. Alors, nous-mêmes peuple israélite là, peuple noir là, nous condamner autant que nous pas retourner dans ce sentier que bon Dieu te mette le bas. Nous pas chambre yon futur, yon avenir tout bon. Dans Isaïe 42, la Bible dit qui a livré Jacob au pillage? Israël au pillage. N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher sans dans ses voies. Ils n'ont point écouté à sa loi. Dans Isaïe 43, répétez même barrière là. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Même l'Éternel qui mettait nous dans la condition là, c'est lui-même encore qui a retiré nous dans la condition là. Donc, nation yo connaît bien le jour que nous retournons dans le bon sens, nous retournons à observer sa bonne Dieu de bon nous faire. Bon promesse dans la Bible, même. Bon Dieu dit, si nous faisons ça, la descendre dans le temps et la retirer dans la condition. C'est mettre tout pays ça yo, qui gagne Israël, Nigeria, Congo, Haïti, et beaucoup d'autres, Ghana, plein de richesses, l'or, diamant, you name it. Michel, ça ne veut dire rien. Vous te mettez un pays qui est développé tel que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est très développé, mais richesse là, pas carrément dans la main. C'est malédiction qui est là. Richesse là, pas carrément dans la main. Ce vrai richesse, nous, c'est là, nous retourner, observer la loi de Yahweh, nous retirer les bagages vaudouin, parce que vaudouin, il est vraiment dans le temps. Non, côté tout, côté peuple noir, il y a une forme de spiritisme, une forme de sorcellerie. Donc, bah, ça faut nous retirer dans le mitonneau et bon Dieu qui fait provision avec le gaspel. Et je suis sûr et certain, bon Dieu a fait nos grâces. Donc, ce dernier point, ça m'a besoin de mettre parce que tout le côté passé, c'est même bagaille là. Même problème là. Le monde occident connaît faiblesse nous. Il y a qu'on la caille nous. Tout le côté. Bon, moi, l'autre bagaille encore que Gon dame qui a fait une présentation ça. Il dit tout le côté israélite, il y a toute une richesse là. Il semble que Yahweh fait exprès, il mette richesse en papier, nous, tout côté nous y est. Et puis, l'abgade nous dans fin de temps. Aussitôt que nous campons pour lui, ou après richesse à venir tomber dans la main. Depuis nous pas campons pour lui, nous avons toujours la même situation. Parce que tout le monde sait qu'il y a sorti au Niger, il y a l'uranium, il y a l'or, et Mali, il y a l'or, et Nigeria, plein de gaz, plein d'or, et tout autre pays, tout le pays africain, plein de ressources naturelles. Mais, malheureusement, malheureusement, nous quittons, nous avons pauvreté, et puis nous sommes tous esclaves dans notre pays, tandis que la caille nous plein de richesse. C'est vraiment ce qui est ridicule. Alors, je vais quitter la frère Auberge. Merci, frère Almono. Pour résumer, actualité en Libye, au Zimbabwe, en Haïti. Bon, pour la question du Zimbabwe, bien content de l'être ça que vous souhaitez lire. Malheureusement, il y a plus de monde qui ne parle pas anglais. Bon, c'est que peut-être dans la présentation avant Dr. Michel Fay, peut-être nous devons voir un petit résumé de sa lettre l'a dit, parce que nous ne pouvons pas quitter mon yo à côté pour ne pas comprendre que sa lettre l'a dit. Sa président, ancien président Zimbabwe, M. Mugabe, Robert Mugabe, dit, mais il faut rappeler tout que ça vient de passer à pile fois lorsque mon yo prend pouvoir. Lorsque gen un sociologue, mwen kwè son écrivain, yo rele Pareto, qui dit le moun nan lèl abord lèl a côté pouvoir, li yon jan, mais lèl vin pran pouvoir li yon lòt jan. Et me pense que ça vin passe Mugabe et tout avec, parce que gen entourage là tout, avec madame ni tout qui vini gen ambition politique. Grace Mugabe li sensé te vle vin remplacer Mugabe parce que monsieur c'était avancé en âge et madame n'a pas ambition qui vient faire que dans paquet l'autre monde qui était sous côté madame n'a fait monsieur mais écarté moun sa yo qui vient rendre gain pile jalousie et puis gain pile ça nous ta carrelé tout en pile corruption tout quand même le régime il fait pile bon bagage mais comme ça tout gain pile bagage qui passait mal tout qui vient rendre que dériver la situation ça. C'est ça que toujours arrivé dictateur. Le au prend pouvoir, il a commencé à faire bien et puis après il vient déjouer. Mais nous souhaitons que le pays a pas descendre net. Nous t'a souhaité que
il pas fait même genre avec Haïti, il pas fait même genre avec Irak, tant qu'on ouais, ça qui t'est passé avec Saddam Hussein.